Un nouveau joyau de Pedri offre la victoire au FC Barcelone. Kylian Mbappé qui illumine le jeu du Paris Saint-Germain. Le duel entre les deux maîtres tacticiens, Pep Guardiola face à Diego Simeone en quart de finale de la Ligue des Champions. Bienvenue sur CM Football, bienvenue sur un nouveau journal du football avec, je vous rappelle le concept, une info, un avis et une question pour débattre en commentaire et prolonger cet échange de vidéos justement dans les commentaires de cette vidéo. Alors on commence évidemment par ce FC Barcelone qui l'a emporté 1-0 hier soir face au FC Séville. Un FC Barcelone qui prend la deuxième place du classement et surtout Pedri qui a encore illuminé le jeu du FC Barcelone. Un Pedri qui a été le maître à jouer de cette équipe. Un Pedri qui a marqué ce but exceptionnel à la 72e minute. Deux feintes de corps pour s'ouvrir le chemin des filets et cette frappe qui va se loger dans le petit filet de Bounou. Un Bounou, le gardien marocain du FC Séville qui a une nouvelle fois été exceptionnel et qui a aussi retardé l'échéance. Il a été sauvé par sa barre transversale sur piqué, mais il a sauvé plusieurs fois son équipe, notamment face à Ferran Torres, notamment face à Dembélé. Un Dembélé qui est l'auteur d'une 10e passe décisive en 13 rencontres de Liga cette saison. Et Dembélé est sorti sous les vivas, sous l'ovation du Camp Nou. Ça change. On voit comment le football peut être versatile avec, il y a 2 mois, Dembélé qui avait refusé de prolonger et qui avait été sifflé par le Camp Nou. Hier, on a senti vraiment tout un peuple, tous les supporters et tout un club autour de lui, surtout porté par Pedri, Xavi et Laporta. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo analyse. Johan Laporta qui fête ses 12 mois, son retour, ses 12 derniers mois avec le FC Barcelone. Et on a ce club qui est désormais 12e, deuxième de classement, du classement à 12 points du Real Madrid avec un match en moins. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que la remontada est possible pour le Barça? Est-ce que vous pensez que le Barça peut aller chercher le titre en Liga comme l'a annoncé Laporta? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous donne ma réponse. Je pense que ça risque d'être un peu juste cette saison. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher 9 points à ce Real Madrid qui s'est envolé. Mais attention, avec le bénéfice économique que peut retirer les nouveaux contrats du Barça et le mercato à venir, je pense qu'on va avoir une saison 2022-2023 de toute beauté en Liga. On file en France avec Kylian Mbappé qui a illuminé le jeu du Paris Saint-Germain hier soir avec une victoire 5-1 face à Lorient. 2 buts d'Mbappé, 2 buts de Neymar, 1 but de Messi. Alors c'est la première fois depuis que les 3 stars jouent ensemble qu'ils ont pu marquer ensemble lors d'un match avec le Paris Saint-Germain. Il aura fallu attendre quand même le 3 avril, hein, le 3 avril, donc 8 mois après leur début pour pouvoir voir cette performance. Ça fait long quand même. Alors, ce match a été marqué par 2 points importants. D'abord, le flottement de la défense parisienne avec Hakimi qui a passé à Marquinhos. Marquinhos, qu'on sent un peu dilettante hein, depuis le début de l'année 2022, qui a été passif sur cette action. Et le joueur de Lorient en a profité pour se jouer de Donnarumma et marquer le Paris Saint-Germain qui s'est fait peur hein, parce qu'il y avait un score de 2-0 à ce moment de la rencontre. Et puis le match a été marqué aussi par Sergio Ramos qui a été sifflé. Il a marqué son retour hein, avec le Paris Saint-Germain. Ça devait être son 6e match depuis qu'il est arrivé à Paris. Il a été sifflé à chaque ballon touché. Alors, À quoi étaient dus ces sifflets? Est-ce que c'était lié au fait que Sergio Ramos ait été blessé cette saison? Ce serait quand même difficile de lui reprocher d'avoir été blessé. Ou est-ce que c'est la politique sportive du Paris Saint-Germain qui a été sifflée par les supporters? C'est une vraie question. Moi, j'ai été vraiment très surpris de voir Sergio Ramos siffler. C'est quand même une légende. Ça montre aussi quand même la dureté qu'on peut avoir les supporters du Paris Saint-Germain. En tout cas, le match a aussi été marqué par la performance de Kylian Mbappé. 2 buts, 3 passes décisives. Grande semaine pour Kylian Mbappé. Il a marqué 2 buts avec l'équipe de France. Il avait marqué et réalisé 2 passes décisives. Waouh, quelle performance! Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement? On peut se poser la question. En tout cas, pour le Ballon d'Or, je pense qu'il est écarté à cause de la défaite du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain pour qui la saison s'est arrêtée, évidemment, après la défaite face au Real Madrid et l'élimination en Ligue des Champions. En tout cas,
La vraie question qui se pose autour de ce Paris Saint-Germain, c'est est-ce que Kylian Mbappé va prolonger avec le Paris Saint-Germain? On l'a vu hier en conférence de presse avec les journalistes, il a laissé l'ouverture, il a dit que tout était ouvert pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé peut rester au Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire, on a appris dans la presse que le Paris Saint-Germain pouvait en faire son nouveau capitaine, est-ce que ça suffira pour qu'il reste à Paris? Je vous donne ma réponse, je pense pas. Je pense pas. Clairement, aujourd'hui, Kylian Mbappé a besoin de grandir, de franchir un nouveau palier. On a un Kylian Mbappé qui est libre de tout contrat. On se rappelle qu'à Paris, hein, on a la direction qui n'a jamais laissé partir libre ses joueurs. Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Cavani, Zlatan ont tous attendu d'être au moins à la fin de leur contrat pour tenter de partir. Aujourd'hui, Kylian Mbappé se retrouve en fin de contrat et a la possibilité, on le sait, de signer au Real Madrid. Alors pour moi, c'est clairement un plan de communication. Il ménage le chaud et le froid pour justement se permettre une grande sortie et aller chercher le dernier titre, le 10e titre du Paris Saint-Germain en Liga. Et alors, on va passer à la Ligue des Champions avec demain deux rencontres. Benfica qui reçoit Liverpool, mais surtout Manchester City face à l'Atlético Madrid. On a deux oppositions de style et surtout, on a des joueurs qui ont épousé le style de leur entraîneur. D'un côté, Manchester City qui aime avoir la possession du ballon, la maîtrise et aller dans les 30 derniers mètres pour justement faire craquer son adversaire. De l'autre côté, on a un Atlético Madrid qui a évolué ces deux dernières saisons avec un Diego Simeone qui aime justement se regrouper, mais qui devient adepte du jeu de transition. On l'a vu notamment face à Manchester United où l'Atlético Madrid l'avait emporté à Old Trafford 1-0. Un Atlético Madrid qui aime bien se déplacer en Angleterre. On se rappelle qu'il y a deux saisons, ils avaient été sortir Liverpool avec une victoire 3-2 à Anfield. Donc attention, le match n'est pas gagné pour les hommes de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui va pouvoir s'appuyer évidemment sur Riyad Mahrez, son joueur en forme en Premier League, mais aussi en Ligue des Champions. Celui qui a été éliminé pour la Coupe du Monde 2022 avec l'Algérie est en forme olympique avec Manchester City en Ligue des Champions. Il est l'auteur de 6 buts et d'une passe décisive cette saison en Ligue des Champions, mais l'année dernière, il avait été décisif à chaque tour et à chaque match, hormis en finale. Il va faire face au joueur qui est en grande forme du côté de l'Atlético. C'est évidemment João Félix. João Félix qui est auteur de 6 buts et 2 passes décisives lors des 8 dernières rencontres. Il a beaucoup travaillé, beaucoup progressé. Et son style de jeu avec Antoine Griezmann ou Luis Suarez autour de lui peut faire des ravages. Je pense qu'on a ici un match qui va être très intéressant à suivre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. Du côté de Betclic, Manchester City est coté à 1,33, le match nul à 4,80 et l'Atlético Madrid à 8,15. Si on veut jouer safe, on peut jouer évidemment le match nul ou l'Atlético Madrid à 3,15 ou alors le match nul ou Manchester City à 1,08. De mon côté, je m'attends plutôt à un match nul dans cette rencontre avec cette opposition de style qui risque de mettre à mal le style de Pep Guardiola. Je pense que Diego Simeone prépare un coup. En bref, deux informations. D'abord, le choc hier soir en Serie A entre la Juve et l'Inter. Ce choc qui a été remporté par l'Inter 1-0. On a vu un Massimiliano Allegri en colère, furieux par rapport à ce qui s'est passé sur la rencontre. Je vous explique rapidement le contexte. Il y a un penalty pour l'Inter à quelques minutes de la mi-temps. Çalhanoğlu vient le tirer, frappe. Le ballon est repoussé par Chesney. On a Çalhanoğlu qui arrive pour tacler le ballon. Il arrive tant bien que mal à marquer le but. Le but est refusé par l'arbitre. Le VAR l'interpelle et le pénalty est à retirer parce que De Ligt est rentré dans la surface de réparation. Le défenseur de la Juve n'avait pas le droit de rentrer dans la surface. Le pénalty est à retirer et Çalhanoğlu a retiré et marqué le but qui offre la victoire à l'Inter, qui repositionne l'Inter pour aller chercher le titre de Serie A avant le match de l'AC Milan ce soir. On a évidemment une Juve qui était revenue dans le top 4 pour espérer aller chercher le titre, qui se retrouve en difficulté. Ça a évidemment fait polémique,
comme lors de chaque rencontre entre la Juve et l'Inter. Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est une deuxième place consolidée dans le championnat de France avec une très belle victoire, 4 buts à 2 à l'extérieur face à l'AS Saint-Etienne. Un Olympique de Marseille qui avait mal débuté avec un but encaissé rapidement avant de revenir au score grâce à un pénalty de Payet et ensuite de prendre le large en deuxième mi-temps. Belle performance d'Amin Harit. Amin Harit qui a réussi à marquer un nouveau but. On sent que l'Olympique de Marseille a trouvé des ressources malgré l'absence de Milik. Alors c'est une grande semaine pour l'OM avec deux matchs, avec une rencontre en Ligue Conférence face au PAOK Salonique avant d'aller défier Montpellier et de tenter de consolider cette deuxième place qui sera évidemment très importante dans la course à la Ligue des Champions. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du format, dites-moi quels sont vos tops et vos flops de ce week-end. Nous, on se retrouve demain pour l'avant-match de Chelsea face au Real Madrid. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve demain. Ciao.